pour ralentir à nouveau. Très très compliqué de trouver sa vitesse dans cette mer. Évidemment, quand je fais des vidéos, c'est immense. Et encore, on n'est pas encore sur les bancs et on va pas y aller sur les bancs de Terre-Neuve. Mais là, je viens de rouler le petit Genaker. C'est sous J2. J'essaie de freiner un maximum parce qu'on fait des plantées. On plante jusqu'au mât. Et quand on plante jusqu'au mât, évidemment, bah, après, c'est un départ au tas direct. Donc là, ça en fait une bonne tripotée pour calmer le jeu vraiment, là, j'en ai marre. Donc là, j'essaie de trouver une vitesse. Peut-être un peu trop lent là. C'est compliqué, hein. Sérieusement. Faut pas subir les vagues et en même temps, faut pas rentrer dans celle de devant. Et le bateau, dès qu'il attend qu'une seule chose, c'est de voler. Et dès qu'il vole, il se plante dans la vague devant. La mer est très courte ici. C'est beau, hein? C'est très beau, ça déferle. On commence à voir les diamants verts, là, les vagues en diamant. Bon, sur nos bateaux, on est bien, hein? Je pense, quand j'ai fait le tour du monde sur Kifwin, sur un bateau de 8 tonnes, de 8 mètres, on subissait tout ça. Là, on a juste trouvé la bonne cadence pour être en harmonie avec la mer. Pas se faire mal. Surtout c'est le bateau, parce que dès qu'il plante le mât, les bastacs, tout souffre énormément. Moi je fais des vols planés. Mais bon, là voilà, je pense que c'est une... On est à 13 nœuds. Je peux pas aller plus vite qu'à 13 nœuds. Et déjà ça plante. Bon ben on va patienter, hein. C'est la mer qui décide.